Donc bonjour, donc Alexis Duvernois, CEO et cofondateur de 18h08. Donc 18h08, c'est le premier acteur en France qui permet à toutes les marques et tous les commerces français de mettre en place des campagnes d'influence qui touchent réellement leur cible. Aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que la problématique des marques sur l'influence, c'était qu'ils ne pouvaient pas analyser réellement l'audience des influenceurs. Aujourd'hui, on s'adresse à différents types de personnes, donc ça peut être des toutes petites boîtes qui se lancent, qui font des campagnes de crowdfunding par exemple, ça peut être des PME avec plus d'employés ou des startups qui ont fait des belles levées de fonds, ça peut être aussi des multinationales comme Heineken ou Jumanette. Donc on a créé donc 18h08 en septembre 2021 avec Hugo. Tout 18h08 repose sur de la donnée, sur un algorithme, sur un savoir-faire et sur les plus belles stratégies d'influence des dernières années. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de clients. Donc pour pouvoir gérer ce portefeuille, on a recruté 3 personnes et on ambitionne de lever des fonds prochainement. 18h08 a rapidement pivoté parce qu'il a compris que le business model qu'il avait lancé n'était pas suffisamment rentable. L'intelligence du créateur d'entreprise a été de pouvoir se dire « je me sers de ma communauté initiale pour essayer d'en faire un deuxième business qui lui devient beaucoup plus rentable ». En revanche, il va falloir discuter avec ses investisseurs, mais également repenser intégralement son schéma de financement. Alors aujourd'hui, pour se développer, nous avons besoin de financement. Justement, alors comment lever des fonds et quel est le meilleur timing pour le faire? La question de la levée de fonds est essentielle, mais il convient de répondre d'abord à la question « pourquoi ? Est-ce que je dois financer de l'investissement ou du fonds de roulement ?» À ce titre, il conviendra après de définir un timing et vers quoi je dois tendre, produits bancaires, produits d'État ou subventions publiques.